Hébreux chapitre 12, versets 1er à 3. Sous pas une Bible, seulement incliné et respecter parole là dans le cœur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés, moi content à Soya pour moi partager avec vous parole ça. En ne pas décourager. En ne pas décourager. La parole de Dieu gagne en pile passage là-dedans qui fait mention de nécessité qui gagne pour les enfants de Dieu pour y prendre courage. Parce que vio en tant qu'enfant de Dieu, vio en tant que monde qui choisit suivre Christ, c'est pas un bagage qui est facile. Mais en particulier, il y a des moments même côté li nécessaire pour nous joindre de rappel sous parole ça, raison qui fait nous pas droit décourager. Après-midi, moi t'ai regardé vite fait, l'homme t'est sorti dans travail et nouvelles pour me t'ai connaître plus ou moins comment situation yo yé. Et moi tombé sur une nouvelle selon bureau recensement qui gagnait dans États-Unis ici. Yo fait connait gagné yon américain sous trois cap souffri avec dépression, cap souffri avec anxiété. Et chiffre ça selon bureau recensement, li trois fois plus grave que ça l'était en 2019. Naturellement, ou ka comprendre raison qui expliquait yon telle situation de dépression et d'anxiété li lié directement à coronavirus lan, parce que en fait moun yo non situation de quarantaine, yo non situation de solitude. Moun ki te kon a loué zanmi avec zanmi, yo pa ka fè ça encore. Yo pa même ka loué fami yo. Et situation d'isolation ça, li créé toute forme de dépression. Et li même allé toucher de moun de la haute société ou bien de moun ki t'a bien placé ou t'a pensé côté moun yo placé dans société, ça pa t'a retouché yo. Mais non, li touché toute catégorie moun, ni moun ki bien chita économiquement, ni moun ki pa trop en forme économiquement, tout moun touché. Et donc à soi bien-aimé, bon Dieu mettez sous cœur pour me partager parole ça avec vous. Pour me dire pas décourager. Il y a un monde capteur de là qui a dit oui pasteur, c'est facile pour dire on ne pas décourager. Pas de monde en réalité qui t'a rien découragé. C'est une chose de nous dire de ne pas nous décourager, mais c'est une autre chose en réalité de ne pas se décourager. Mais en réalité, m'pap seulement dou pas découragé. M'vra le bon quelques éléments à partir de passage ça. Cinq éléments, concrètement, qui pourraient dou pas découragé. Et m'espérer ou brancher, et sou gagne plume ou bien stylo nan main, ou apprend quelques notes, ou à repasser yo, l'ogon titan, parce que m'pap aller très vite. Passage Hébreux, j'en connais, c'est, auteur Hébreux, il écrit en pile, sous confiance dans bon Dieu. Soit appelé Hébreu le chapitre 11, soit qu'on est très bien dans passage ça. Auteur livre hébreuant, il cite un paquet héros de la foi, de monde qui n'a marché avec bon Dieu, yo t'ai kembe ferme jusqu'à la fin. Et li bayo en exemple, tant qu'un monde qui t'ai nan froyo, nan confiance yo gen nan bon Dieu, qui t'ai fait face à de situations difficiles, mais malgré tout, qui t'ai combattu jusqu'au bout. Par exemple, si on applique dans verset 3 au chapitre 11, auteur Hébreux a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par cette offrande qu'il fut déclaré juste. Au verset 5, l'auteur continue pour dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. En pile verset bien-aimé côté auteur là a encouragé bien-aimé yo pour yo kembe même confiance ça
premier serviteur bon Dieu, Tekembe. Au verset 7, par exemple, auteur Hébreux continue pour le dire, c'est parce que Noé t'a gain confiance dans bon Dieu qui fait bon Dieu t'a fait le connaître d'avance bagaille qui t'a pas arrivé. Ou joindre même notion confiance là. Verset 8, c'est parce que Abraham t'a gain confiance dans bon Dieu qui fait l'été obéi le bon Dieu t'a relé là. Plus bas, son continue dans même passage là, au verset 24, auteur Hébreux a continué pour le dire, c'est parce que Moïse t'a gain confiance dans bon Dieu qui fait l'élévine grand. Il était refusé pour tes noms, petite fille, Pharaon. Il était plutôt quitté au maltraité, ensemble avec Pep bon Dieu, a. Passé pour le temps, accepté, prend plaisir, n'empêcher pour yon titan. Au verset 29, c'est parce que petit Israël, yo, t'es gain confiance dans bon Dieu, qui fait yo, t'es capable, passer dans mi-temps, l'en mer rouge là, tant qu'ou si yo, t'as marché sous tes sec. Verset 32, qui ça nous a dit encore? Il y a un paquet de l'autre, yo, t'es qu'à citer. Dans verset 39 là, auteur en dit, nous t'es qu'à citer Enoch, nous t'es qu'à citer Samson, nous t'es qu'à citer Samuel, nous t'es qu'à citer Daniel, etc., etc. Et tout le monde s'est bien aimé, je reconnais pas ça, Jean très bien, c'est le monde qui t'est quimbé confiance dans bon Dieu. Et là, il a fait face à situation difficile, il a songé, monde qui réléoa, il n'y a pas de réléo pour abandonner en cours de route. Et il était allé jusqu'au bout de leur conviction. Même j'ai trois jeunes garçons, yo, devant situation difficile, yo pas de jambes abandonnées, yo pas de jambes découragées. Les auteurs là, dans chapitre 11 là, fin fait récit tout le monde ça, yo. Au chapitre 12, les pral commencent dit nous, en nous-mêmes tout, nous pas découragés. Et mais comment le commencer dans chapitre 12 là, bien aimé, il dit, nous donc aussi. Et me carrément souligner dans Bibou, hein. Je le commencer chapitre 12 là. Nous donc aussi, nous-mêmes tous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Gagnez cinq raisons, ma barou bien-aimée, qu'il faut pas droit décourager. Et nous carrément prêter attention pour aller très vite. Cinq raisons qu'il faut pas droit décourager. Pour pas penser que c'est on parole en l'air. Première raison qu'il faut pas droit décourager, c'est que bien-aimée, côté nous-mêmes sous terre, n'a vivre toute situation difficile, nous avons le droit de vivre. Mais pas oublier, dans le ciel, avec Dieu, il y a un paquet de monde qui l'a, c'est de témoins qui ont gardé nous en bas. C'est héros de la foi que l'auteur l'ont cité dans chapitre 11 là, yo avec Dieu et y a gardé. Et y a vivre situation à vivre là, y a gardé. Et il a encouragé nous pour nous faire face à situation ça avec confiance dans bon Dieu. Et c'est ça auteur Hébreux dit, il dit nous donc aussi nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En d'autres termes, nous-mêmes tous, nous là dans mitan foule monde ça yo qui t'ai montré je t'ai gain confiance dans bon Dieu. Yo là y a gardé. Et pendant auteur dit ça, m'a pensé imaginer Daniel qui a gardé nous d'en haut. Cap dit, si bon Dieu t'es retiré de la force lion, hein? Si bon Dieu t'es fait mes bouches lion, yo, yo pas de café en rien, nous mettre fait bon Dieu confiance. M'a gardé Moïse, bien aimé, pendant nous-mêmes, n'a fait face à n'importe situation, n'a fait face qui t'a porté nous au découragement. M'a gardé Moïse, cap dit, côté liéant, si bon Dieu t'es fait me passer avec peuple Israël là, au beau milieu de la mer rouge, et non seulement me t'es passé, me passé à pied sec avec le peuple de Dieu, nous mettre fait bon Dieu confiance. M'a regardé les trois jeunes hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, qui a dit si bon Dieu, te prends nous dans fournaise ardente là, définitivement, ou mettre fait bon Dieu confiance. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, le ciel a des témoins. Yo qui t'es de exemple pour nous, de exemple qui doit encourager nous. Si yo même, bon Dieu t'es utilisé au consa, si bon Dieu t'es accompagné au consa, nous mettre fait bon Dieu confiance. Même bon Dieu qui t'es avec yo, c'est même bon Dieu ça n'a servi journée jodia. Et cerise sur le gâteau, la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même prie pour nous. Si bon, l'autre raison, une raison qu'il faut pas droit décourager, c'est l'orgueil assurance où connaît que le Seigneur Jésus lui-même, en personne,
l'a prié pour nous. Romains 8, verset 33 à 34, la parole de Dieu nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Dieu, Chita, et Jésus devant le trône. Jésus intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il prie pour nous. Alors qu'on est que Jésus lui-même a intercédé, ou pas besoin de décourager. Donc, première raison qu'il ne faut pas douer et décourager. Ou bien dans le ciel là, un nuage de témoins. Un paquet de monde. Regardez, qui campait. Qui a dit, qu'est-ce que fait? Regardez l'exemple pas maintenant. Et puis Jésus même dans Mitéo qui a prié. Bon Dieu, qui a intercédé pour les saints. Deuxième raison, qui a amené ou pas découragé. C'est leur bien-aimé, éliminer toute bagaille dans vous qui est inutile. Tout fardeau dans vous qui est inutile. Si vous voulez vivre dans la vie ça, pour vivre avec assurance, confiance dans bon Dieu. Bon bagaille ou besoin fait, c'est retirer tout fardeau dans vous qui pas gagne aucune utilité. L'auteur continue pour dire, toujours dans le même passage que nous avons lu, rejetons tout fardeau. En nous voyant jeter tout ça qui est trop pour nous. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Deuxième bagaille pour pas décourager. Faut qu'on débarrasse de fardeau inutile. Vous connaissez? Moi-même, moi, j'ai tendance, bien aimé, embrasser un paquet de bagailles. C'est de bons bagailles, c'est pas nécessairement de mauvais bagailles. Cependant, des fois, l'on embrasse trop de bagailles, ou pas de temps pour faire, yo. Ou qu'on souffre, ou qu'on met un fardeau sous tes tout. En réalité, c'est un bagaille ou t'as fait qui bon. Mais, c'est un bagaille qui bon, qui pas nécessaire. C'est un bagaille qui bon, qui pas utile. Des fois, c'est nous-mêmes encore qui mettez de poids sous tête nous. Des mondes, fardeau yo, c'est tradition. Yo tellement accroché à tradition. Gon bagaille, bon Dieu t'as fait débarrasser yo de li. Faut qu'on fait, faut qu'on continue à faire le même genre. Des mondes, qui ça qui fardeau dans vie yo, c'est yon attente yo gagné sous Mario ou bien sous madame yo. Yo ta reme Mario vignon Jean. Yo ta reme madame yo vignon Jean. Ou yo non attente qui pas jam fini. Et yo tellement attente, yo tellement ta reme ouais moun nan yon Jean moun nan paye. Sa vignon fardeau. Et fardeau ça, parce que y a pote li lou, fardeau ça gen tendance décourager yo. Livrer fardeau yo bien aimé. Rejeter tout fardeau qui inutile nan vie ou. Gon baga wap ton nan moun moun ou konne moun nan pa kabaoul. Gen de baga wap exige ou kon non pap jwenn ni. Seul Christ ki ka bon sa. Lor insiste ou vin met ton fardeau sou tèt ou. En realite, se fardeau sa pral kontribue a dekouraje ou. Pou grandi, a un certain moment, fok ou fè le tri nan vi ou bien aimé. Pou lese ale bagay ki pa important. Pou lese ale bagay ki inutile. Se gen dwa se de bon bagay. Mais à un certain moment, on doit faire le vide. Il y a quelque bagaille dans vie nous, yo embarrasser nous plus que toute autre chose. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7, l'apôtre Paul a expliqué Timothée mais qui genre d'attitude il gagnait en tant que soldat de Jésus-Christ, en tant que monde qui a marché avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En gros, bien aimé, si bien comprendre ça, apôtre Paul a dit Timothée là, pas embarrasser la voix bagay qui sans importance. Bagay ou ta doué laisser tomber longtemps déjà. Ou kembe bagay lan latan kon fardeau. On bagay ou monte fort dig d'antan. Ou la wap ruminel. Bagay la vin tan kou, on poisse sous l'estomac ou. Dans moment ça yo c'est moment regardez si avant ou te gen le luxe pour ruminer bagay ça yo tant n'a vive jodi an c'est pas temps pour rester là dedans encore laissez yo aller kon bagay moun ki te fort moun nan gen tanblié li même li move on with his life or her life ou même ou la wap kembel guess what c'est ou même encore qui pi misérable lor gen fardeau ki lou pou ou kon ça li porte au découragement. Et la parole de Dieu te dit en ce soir, mon frère, ma sœur, let go. Laissez bagay sa yo tomber. Débarrassons de fardeau qui est inutile. Troisième élément pour pas décourager.
Vive le plan de Dieu pour ta vie. Yon nan bagay ki ka décourager au monde, c'est la la vive, yon vie ki pa vie que bon Dieu t'rele pou le vivre. Lo vive yon vie bon Dieu pa t'rele ou pou vivre. Ou gen droit fait tout son konon capable, mon pape jam rive non état de satisfaction parce que la vie que tu mènes, la course que tu cours n'est pas ta course. Auteur Hébreu a dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans version créole, là, il dit, courir avec patience sous chemin bon Dieu mettait devant nous. Courir avec patience sous chemin bon Dieu mettait devant nous. Il y a une bagaille qui fait un pile moun découragé dans la marche avec Christ. C'est que des fois, il n'y a pas vivre la vie bon Dieu relé pour vivre là, mais il y a vivre la vie yon l'autre moun vle yon vivre. Le plan de Dieu pour leur vie, ce n'est pas le plan qu'ils vivent. Ils vivent un autre plan. Bon Dieu promet yo pour l'accompagner yo, mais seulement si yo vive plein bon Dieu gagne pour yo. Vous savez mes bien-aimés dans le Seigneur, la promesse de nous accompagner, c'est une promesse qui est faite en fonction du plan de Dieu pour notre vie. Bon Dieu pas là pour le bénir plan personnel ou gain pour la vie ou non, parce que très souvent plan personnel ou gain pour la vie, là il doit contraire au plan de Dieu. Dieu, bon Dieu promet nous pour le béni plan, lui-même li gen pour vie nous. Plan pour vie nous, c'est pour nous marcher la donne. Qu'on est en pile fois, gen de monde qui a essayé comparé à l'autre monde. Gen de monde qui garde des gens l'autre monde réussi dans un domaine dans ville. Li dit c'est tant que monde ça le vleyer. Il se trouve que pas ta gen problème dans en vie tant que monde ça, mais il se trouve que c'est pas plan ça bon Dieu gagne pour monde ça. Bon Dieu gen un l'autre plan. Pour vivre moun sa, yon l'autre gens. Mais lui-même, il est tellement focalisé sur la vie tel l'autre monde, c'est tant que tel l'autre monde l'y vleye. Il est passé à côté du plan de Dieu. Et n'a pas un bagay qui ka décourage ou comme ça. N'a pas un bagay qui ka fatigue ou comme ça. L'Europe marche non plan qui pas plan bon Dieu pour la vie ou. Bon Dieu baye force et énergie pour mener course lan. Mais faut qu'on make sure que course soit courir, qu'on soit mené, c'est qu'on ça bon Dieu t'a choisi dans vous pour mener. Il y avait David, mais il y avait aussi Jonathan. Chaque monde était dans place yo. David pas qu'à Jonathan, Jonathan pas qu'à David. Chaque monde gagne un Jean bon Dieu t'a relo pour y. Bon Jean bon Dieu t'a préparé là vous pour y et li équipe pour ça, li bon énergie pour ça. Tant qu'on pas connait pour marcher dans plan bon Dieu pour propre vie ou bon garantie ou fatigué ou découragé et ou même gen droit abandonner parce que en réalité ou pas nan plan pas bon Dieu ya ou nan plan pas l'autre monde ou connaît nan moment sa yo avec réseaux sociaux avec influence moun gen sou l'autre monde en pile moun ap gade vie moun de loin je dis waouh regardons belle vie moun sa mené. Et réseaux sociaux yo, ou bien moun ki ap suivre et vie zanmi moun yo te konnen moun yo te levé avec yo peut-être moun yo t'aller dans même l'école avec yo gon pression k'ap exercer c'est de pression qui vini indirectement l'ou gade vie moun nan ou ta remen pour vous c'est kon sa lié mais en réalité bon Dieu pas créé pour marcher dans voie pas moun bon Dieu te créé pour marcher sous propre chemin pas. Et chemin, c'est lui-même qui trace devant. Mais qu'on saurait réaliser dans la nature, bon Dieu, pas de crier chien pour voler. Non, bon Dieu, pas de faire chien pour voler. Bon Dieu, pas de crier poisson pour poisson en courir. Bon Dieu, t'es créé poisson pour poisson en retenant de l'eau. Dans la vie, nous, chaque bien-aimé, gon plan, bon Dieu, tracé. Et bon Dieu, équipé nous en fonction de plan ça. Des fois, nous gaspillons pile énergie à essayer de vivre même Jacques tel l'autre monde. Et nous passer à côté de plan, bon Dieu, pour vivre nous. Dans un bagage qui est découragé ou comme ça. Troisième bagage, pour pas décourager. Vive le plan de Dieu pour ta vie. Sous pas qu'on ait sa plan, il dit, Seigneur, serviteur a parlé à ce Aldim. Ou gon plan pour la vie, qui pas plan même plan que l'autre monde. Montrez sa plan yé. Révélez la moi-même, Seigneur. Ou konne nou gan pile bon raison pour nous prier, bien aimé. Gan pile bagay, si nous ta konne pour nous demander bon Dieu, c'est de bagay qui ta mette nous non excellence dans marche nous avec bon Dieu.
Découvrir sa plan bon Dieu est pour la vous. C'est un but de prière extraordinaire. Et c'est ça ma prière pour chaque chrétien qu'on est. Comment bon Dieu est l'eau? Comment bon Dieu voulait utiliser? Quatrième élément, bien-aimé, pour m'aller rapidement, l'heure avancée. Pour pas décourager, quatrième bagaille. Ou doit focaliser au sous-Christ. Ou doit focaliser au sous-Christ. Et non sur, sous circonstances qui n'en vivent. Moi, qu'on a une tentation en lit grande, et même très grande. Nous t'ai parlé avec ou déjà, dans le psaume 63, nous t'ai fait un bon temps plongé dans somme ça. David, au milieu du désert, il pas te laisser lui absorber par la réalité du désert. Tentation en grande, là, nous, au milieu de souffrances, difficultés. Pour Dieu, nous, c'est sous problème non lié. Dieu, nous, c'est sous circonstances non lié. Auteur hébreu, Asroyavin dit ou, focalisons de préférence sur Christ. Focalisons sur Jésus. Au verset 2, l'auteur nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En qu'un des yeux nous coller sous Christ, bien-aimé. Pour nous passer dans mauvais gloyo, pour nous passer dans temps difficile yo, nous pas qu'à retirer les yeux nous pas qu'à mettre ni à droite ni à gauche. Les yeux nous doivent rester sur Christ lui-même. Il y a le bagage pour vivre lui dans le monde visible. Faut que yeux restent fixés sur le monde invisible. Il y a le bagage pour comprendre ni pour vivre ni pour sortir victorieux là-dedans dans le monde visible. Faut que yeux restent fixés sur le monde invisible, sur la personne de Jésus-Christ. Quatrième bagage pour pas décourager. D'expliquer-lui déjà, mais pas pour le retourner dans les détails bien aimés. Gontan pour parler de problème. Gontan pour garder fermé chapitre problème. Gontan c'est un cantique. Gontan c'est temps de prière. Gontan son temps de verso dans la parole de Dieu. Gontan c'est un côté tout ça qui est autour de vous qui carralo dans le découragement ou fermé chapitre. Son acte volontaire pour lier. Parce que ça qui passait, bon Dieu créé nous avec une curiosité naturelle. Par contre, sous fait expérience en déjà, ou qu'on a conduit machine, ou a passé beaucoup trop accident, ou t'as tout à mettre tête ou droite pour ou même ou pas tomber dans accident, ou puis distrait, au point que, à cause de l'accident, ou gardé à ou même ou t'es qu'à le faire accident. Ça qui passait, une curiosité naturelle qui l'a qu'à une moun. Et c'est nous toutes qui font ça. Et ça, c'est un bagage où doit conscient de lui. L'on a difficulté, tendance là. L'on moun font un bagage. C'est prendre sa moun nan fol, commencer virer à droite à gauche, chercher pour qu'on est, pour qui sa moun nan te fol ça, qui sorte fait. Et puis, sortant de là, ou ka passer des heures à examiner sa moun nan fol là. Et il se trouve que des fois, ça qu'on arrive, moun nan fol bagage là, son maladresse qui fait le fait, c'est pour un bagage qui te gagne intention fait. Moun nan fait bagarre, l'on pas même conscient même. Et puis ou même mais on trouve dans situation côté regardez ou fait ça moun nan faut la vin un objet de méditation ou méditer la journée ou la nuit. Est-ce qu'on comprend qui ça qu'arrivé non ka comme ça ou retirer les yeux facilement sur Christ, sur bagarre qui gagne valeur et pour distrait et sortant de là dépression pas trop loin. Sortant de là, anxiété pas trop loin. Sortant de là, découragement pas trop loin. C'est ça que fait Asroya, auteur hébreu, à rappeler nous. Quatrième bagarre au besoin fait pour éviter de tomber dans le découragement, mes bien-aimés. Focalisons sous Christ. Et ça, son bagarre intentionnel, li pas naturel, la caillou. Et c'est ça que fait Mando encore une fois. C'est pour dire tout, Seigneur, aidez-moi, mettez accent, aidez-moi, mettez yeux sous bagarre qui gagne valeur éternelle. Pour ne pas quitter circonstances dans la vie, ça, c'est yo qui m'aime. M'bral d'un bagay, peut-être, ou qu'on est déjà. Coronavirus a passé. Pas yon moun ki konn ki le. Mais m'pense coronavirus lan l'a passé. Bah, pral gon l'autre bagay kap vini. Li gen doit pas nan ampleur ça. Li gen doit se nan niveau individuel. Li gen doit se nan niveau familial. Mais ou gen doit saut nan ça ou rentrer dans l'autre bagay. A toujours gen circonstances dans la vie, ça, qui pour distraire. Ça fait l'important, bien-aimé, pour nous qu'un des yeux nous rivés sous Christ. Et cinquième bagaille, dernier bagaille pour nous faire. Si nous voulons qu'un des flambeaux pour nous pas décourager,
kembe nan confiance nou nan Christ. C'est minimiser ça n'a vivre comme douleur et maximiser ça qui gagne comme bénéfice. Bon li pour encore bien-aimé, ça auteur hébreu a dit. Le fin dit au verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, il continue pour le dire, en échange de la joie qui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pendant Jésus pral souffrir, Jésus connaît souffrance l'en pral amère, Jésus connaît souffrance l'en pral atroce, mais en même temps, Dieu le rivé sur comment il pral racheter moi-même avec ou de la mort. Dieu le rivé sur pont il pral créer entre moi-même avec ou et bon Dieu encore. Donc il estimait que souffrance l'en vaut la peine parce que ça le pral tirer de souffrance l'en, bénéfice qui pral découler de souffrance l'en, il vraiment dépassé de loin souffrance l'en lui-même. Et pendant la souffrir, c'est comme si souffrance l'en vient diminuer dans yeul par rapport à bénéfice gain par la suite. C'est même genre qui ont dame enceinte qui dans moment il prend l'accoucher, douleur atroce. Mais il suffit que le rappeler au bout du tunnel, il prend le mon bébé dans main. Ça balle force pour souffrir parce que il dit tête li bénéfice qui pral vini après souffrance là vaut la peine que le continuer souffrir avec courage. C'est même appel ça nous gagne bien-aimé. Oui, nous gagne de souffrance sous terre ça. Et m'pa bon menti, ou ap sorti non souffrance qui paraît un jour pral rentrer non l'autre. Ou pral gagne de moments de répit, mais tant qu'on va vivre sous terre ça, ap toujours gagne problème. Tant qu'on va vivre sous terre ça, ap toujours gagne tête chargée. Et si nous avons le contraire, qu'on n'essaie pas la parole de Dieu, m'a prêché, a toujours un problème. Mais dans le problème, yo, qu'on est, bon le cap vini, ou même qui se moune pas Christ, bon Dieu, il y a un plan pour la vie. Ou. Le monde, ça va passer. Bon temps de réjouissance avec le Seigneur. Sous qu'un bé ferme jusqu'à la fin. Sous combattre le bon combat de la foi. Sous marcher ferme dans la confiance en Dieu. Bon le cap privé. Regardez, on a quitté le monde, ça. Ou content pour avec le Seigneur Jésus. Et ça vaut la peine, bien-aimé, pour souffrir avec courage. Ça vaut la peine, bien-aimé, pour qu'on est ferme dans la foi. Ça vaut la peine, bien-aimé, pour combattre le bon combat. Ça vaut la peine. Pendant à souffrir, pas oublier. Bon Dieu, il y a un bon projet pour le prendre avec lui. Côté lié à la parole de Dieu dit, c'est là nous vaillons tout. Alléluia. Quand la toute souffrance va finir. Vieillesse, pas bien vieillesse encore, pas bien maladie encore, pas bien dos m'a fait mal encore, pas bien moun ka boiter encore. Alléluia. Et là ça n'a pas avec le Seigneur Jésus. N'a pas avec le Seigneur Jésus. Ça vaut la peine bien-aimé pour que be ferme dans la foi. Oui, souffrance yo la jodia, mais souffrance yo gen pour yo fini. Et c'est espérance nous ça. On joue n'a pas avec le Seigneur Jésus. Pas découragé. Pas découragé. Nous gen témoin k'ap gade k'ap di nou pas oublier Jean bon Dieu t'es servi avec moi li ka servi avec ou tout pas décourager retirer nan vie ou toute bagaille qui sans valeur toute bagaille fardeau ap pote qui ka contre nou au découragement retirer pas décourager vive le plan de Dieu pour ta vie pas embarrasso à vivre vie moun pour faire moun loin pour moun ka accepte ou non vive le plan de Dieu pour ta vie pas décourager. Focalisons sur le Seigneur Jésus-Christ. Circonstancio yo là, mais pas quitter circonstancio submerger. Pas décourager. Pas décourager. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé, et que Dieu vous bénisse.